Et salut à tous et à tous, bienvenue sur Akaza TV en compagnie d'Arsaban pour la suite de l'aventure de Life is Strange, de l'histoire de Max Caulfield. Donc en gros, depuis les derniers épisodes, il s'est passé... ça peut encore aller. Et donc en gros, on va continuer sur le troisième chapitre, dont sur le deuxième épisode, on avait raté une photo. C'est voici pour le troisième épisode, on va essayer d'avoir tout. Et donc on va continuer, c'est parti. Et avant de commencer, évidemment, petit résumé des épisodes précédents. Comme du bon film. In the previous episodes of Life is Strange. Whoa! It's mostly called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see I'm how so sick is. Of people trying to control me! Don't ever touch me again, oh. Freak! Ça peut toujours un peu me tendre. Totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. There she is. How are you doing, Max? Hi, Joy. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business. Autant que ce soit plutôt genre des bugs de son, enfin que ça s'arrête, que plutôt faire comme sur. Please step back. La fin du chapitre 2 où la musique continuait mais et que les images étaient au ralenti, qu'à la fin ça mettait plus de chansons quoi. What are you doing here, Max? Now I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof? Kate Marsh, please tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Donc voilà. Ouais, on le sait très bien. D'ailleurs, on avait réussi à sauver Kate Marsh de son suicide, quoi. Là, il faudra que je regarde si je n'ai pas coupé certaines parties de chapitre 2 quoi. Chaos théorie.
théorie du chaos. Kate! I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Alors, évidemment. Dans l'éclipse, comme c'est marqué. Alors, j'ai quelque chose à te montrer, rendez-vous dans le campus. Bouge-toi le cul, vite. Yo Max, je voulais te rappeler à quel point tu as tout déchiré hier sous le toit avec Kate. Je te fais un costume de super-héros sans imprimante 3D du labo deal. Je te payerai bien un dîner comme récompense et soirée sur la planète des singes. Mais te sens pas obligé vraiment. Merci Warren. Je vais ranger ma cave ce soir. Nathan s'est fait exclure en plus. Je n'ai donc. Je t'appelle. Tard. Ok. C'est en fait que tu aies réussi à sauver cette jeune fille. On va avoir de tes nouvelles penses nous faire signe. On t'aime fort. Désolé, je t'appelle dans quelques minutes, promis. Merci de m'avoir écouté. M'excellent sur tes prouesses. Le son de ta voix me manque. On est très fiers. Profite de ce moment. Dis-nous si tu veux prendre un petit break pour venir nous voir. Ok. On t'aime. Max. Is disturbing. Yes, I have power, but Nathan is out of control. Alors, dans les photos de cet épisode-ci. Donc on a une espèce de... Donc on a un écureuil, on a des poissons. Truc de tabac, un oiseau assez bizarre et... Une statuette, un truc du géant, quoi. Qu'est-ce qu'elle était en train de regarder? Glad the media doesn't waste. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might. Oh, I'm sorry, Lisa. I saved Kate, but I drowned my own plant. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. Apparemment, j'ai trop donné à boire à ma plante. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision. Oh, I'm sorry, Lisa. I saved Kate, but I drowned my own plant. Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. Thanks for the image, Nathan. And everybody here. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof.
and I will use my power to find out why. This has to end. No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Jeebus, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Okay, it's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Okay, this is scary dark. Let there be... That's a depressing thought. And it's always about Victoria. I hope you burn bright again soon, Kate. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just, like, shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like, she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Where did she go? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom in the hospital, but Victoria will, like, make my life hell if I blab, okay? No doubt. I do hope your mother gets better. Let me know if you need anything. Thanks. You're, like, weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Donc en gros, on a des infos. Max, I saw you go up on the roof and save Kate. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Sérieux? This is both sad and pathetic. Yes, the Vortex Club does indeed suck. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide.
think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. I was lucky. That's all. No, girl. That was not luck. You made a choice to save her. Like a superhero. Then maybe it's time to catch the bad guys. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Je pensais qu'il allait avoir un petit truc ici avec That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party. Que c'était pas là quoi pour Alors Donc Victoria, c'est autre part. Ouais Alex, ça va, je verrai si si après chapitre 3, je ferai autre chose quoi. I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Here they are getting loaded with Satan. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Alors, bienvenue Victor Chase, date de commande, 9h50, Amelia Pound, détail de champ de commande, chandail en cachemin une fois, délicat, $30, détail du paiement, retouche, $30, compte 0, somme due, $30. Merci de conserver ce reçu pour récupérer vos vêtements le vendredi 11 du 10. Donc c'est fin de semaine quoi. 11h. Les pièces seront conservées en moi seulement. Victoria's secret. She's a geek. Blueberry brille dans le noir. Ben certainement on va dire soit 2h ou 3h quoi. On a des chances. I'll title this one, Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. These socks cost more than my wardrobe. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. This is like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Mm-hmm.
Maintenant, Victoria. Ma sapoufia, cette tête de gland et mot m'a fait suspendre, la grosse salope. Tu y crois, toi? Mon père est proprio du putain de dortoir où elle se touche avec ses sales filles. Mes parents ont pété un câble et menacé de me filer un putain de taf au bureau de mon père. Tu m'imagines représenter mon daron? Ah ça. Il est débile ou quoi? Max Coffee et Blackwell doivent payer. Putain, et personne annulera cette putain de fête de la fin du monde, ok? Appelez Prescott. What the fuck, tes CE là, c'est des conneries. Pas moyen que tu te fasses renvoyer de Blackwell. Je savais que Max allait nous faire chier dès que je l'ai vu faire sa HQ avec Monsieur Jefferson et jouer avec son petit appareil. Enfin, son appareil rétro. De marquer qu'elle porte la poisse à tous ses potes. Et oui, le Vortex Club portera la fin du monde à Blackwell, quoi qu'il arrive. Je te envoie un texto pour qu'on arrange un rendez-vous. Complot, quoi. Rendez-vous complot, courage. Comment tu veux qu'on se concentre sur putain de devoir alors qu'on vient d'assister à une tentative de suicide? C'est avoir quelque chose, non? Ah. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Ça va pas d'être là en tout cas. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Not that Victoria couldn't hide her shit. Man, I'm getting paranoid. Ah bah tiens. Bah c'est pas ça la photo? Quel est l'angle quoi? Tout est la question. I better go meet up with Chloe. Non mais attends, il y a la photo là. La photo. C'est quoi l'angle? Photo. Voilà. C'est un peu comme une espèce de petite Lara Croft en fait. Sauf que c'est juste avec un flingue. Alors. Donc, il y a des écureuils, des poissons, des sons de fumée, enfin le crâne. Et un oiseau un peu bizarre. Enfin, au moins, on a la photo, on a la première photo, c'est déjà ça.
En quittant les dortoirs. Alors, un écureuil avec des lucioles. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. C'est quand même une petite réflexion. Je pense que... I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Ok, je vois l'écureuil. But I feel kind of invincible now. Je vois l'écureuil ici. Donc, il faut être à bonne distance. Mince. Voilà. Chloé, Max. C'est drôle, même si je peux éviter les ennuis en rembobinant, j'ai l'impression que les choses vont de pire en pire. Comme si c'était un épisode de la quatrième dimension, avec un twist ironique à la fin. Si je me rembobinais jusqu'à disparaître. Est-ce que j'aurai ce pouvoir toute ma vie? Est-ce que la tornade, la neige et l'éclipse sont des hallucinations ou prophéties? Malédiction ou bénédiction? Chloé est vivante et ça tient des miracles, ce qui signifie qu'il doit y avoir un moyen d'empêcher ma vision de se réaliser. Donc pour faire court, j'ai enfreint le couvre-feu et j'ai rejoint Chloé pour qui voulait me montrer quelque chose. Il est temps de commencer l'enquête. Sneak outside. Oh, la référence à... Cat size. Oh, yeah. Ceux qui ont vu des animés savent pourquoi. Quand j'avançais en ninja dans les couloirs, j'ai vu tous les messages des étudiants à côté de la chambre de Kate. Dommage qu'il n'ait pas été aussi sympa quand ils faisaient tourner la vidéo et l'ont presque poussé au suicide. Les gens se réveillent toujours trop tard, au moins. Au moins Kate verra qu'ils sont solidaires, pas trop tôt. J'espère pouvoir lui rendre visite quand l'orage sera passé. Je ne devrais pas parler d'orage. Mince. Est-ce que j'ai loupé le coche? Ou l'écureuil? Attendez, je vais m'éloigner. Mais je pense que j'ai loupé le coche, hein. On va voir. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Ah, j'ai loupé le coche. Je crois bien que j'ai loupé le coche, en fait. Oh. Oh, the most magical insects burn bright. Évidemment. Ben voilà. Quand même repartir par une dernière point de contrôle. Parce qu'on a raté justement l'opportunité d'une photo, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Surtout qu'on était proche, quoi. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Donc il faut juste...
C'est à quelle distance en fait? Ah mince. C'est à quel endroit en fait? Je vois pas la distance où il faudrait que je me mette. Est-ce que c'est sur la droite ou... Est-ce que c'est sur la droite ou la gauche? Est-ce que je dois être derrière l'écureuil pour que je puisse, que ça puisse marcher? So Chloe is waiting for me in front of the main hall. J'ai l'impression que je vais perdre justement l'écurie. C'est quelle distance en fait? Parce que je le vois. Hein. C'est bien ce truc là, mais disons qu'il faut. Non, hein. En tout cas, c'est bien cette écurie là, mais. Parce que sinon, il n'y aurait pas de... d'apparition, quoi. Rah. Il faudrait se mettre à quel endroit, quoi. Pour qu'on puisse prendre justement la photo de l'écureuil. Sans lui faire peur et quoi que ce soit, quoi. Désolé, mais je veux faire la photo. Mais le truc, c'est que. Voilà, je sais pas trop quelle langue il faut prendre. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Oh. Je vais essayer de l'autre côté. Non. Mais je ne vois pas l'angle en fait. Techniquement, il y a la photo qui est là avec cet écureuil, mais c'est où qu'on... Qu'est-ce qu'on doit faire pour la voir? Si tu sais m'aider, Alex. Parce que là, je ne vois pas en fait l'angle qu'il faut prendre et aussi à quelle distance je dois être. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Parce que sinon, là, on va tourner en rond et j'aime pas, quoi. Ce truc, c'est qu'on voit bien l'interaction... Avec l'écureuil, mais l'angle. Ah, c'est vrai, je peux justement faire ça en fait. Moi, je pense que c'est de ce côté-ci, quoi. Ouais. Non, c'est trop près, ok. Oh. Mais c'est quoi l'angle? Vous me dites ou pas là? J'aimerais bien savoir.
Oh, the most magical insects. Burn bright. Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Who knew Samuel was so into runway fashion? Nothing but tools. Nothing here. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Oh. Quelqu'un serait m'aider pour la photo d'ici, quoi. Oh non. S'il vous plaît, parce que j'ai envie de prendre la photo, mais je ne sais pas à quelle distance c'est, quoi. S'il y a moyen de quelqu'un puisse regarder pour voir un peu, quoi. Oh, mais non, là, elle s'en va, quoi. Si je reste là. Non, il s'en va. Surtout qu'il n'y a pas le mode sneaky, quoi, c'est ça le truc, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur le chat qui puisse m'aider, quoi. Oh, mais non, allez, quoi. L'écureuil. Laisse-toi prendre en photo, quoi. Mais où est-ce qu'il... Il faut quel angle, en fait. C'est immense, cet écureuil-là, mais il faut prendre le bon angle, quoi. Il faut attendre à quel moment... Parce que ça commence un peu à m'habiter, quoi. Oh, bon. Hop. Il y a personne qui m'aide, je vais aller voir ça. Hop. Bon. Hop là, donc... Super Solus, rapidement, dites-moi à quel endroit c'est, quoi, pour justement. Ouais. Objectif précis, donc. Ok, c'est... Ok, c'est vraiment très spécial le timing, quoi.
Bon, j'espère que ça va pas faire bugger le jeu parce que là. Mais non, on saute. Mais... Voilà. Putain, il faut savoir que s'il faut être tout prêt et faire en sorte de prendre la photo quand il est en l'air, quoi. Voilà. Donc, poisson, interdiction de fumée. Et j'arrive, lui, ouais. Principal Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. You have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No, no explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe save Blackwell. Now don't get cocky. Go on back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? What a day. Blackwell almost lost another student. Max, stop wandering outside and get back to your dorm. Great, he saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. He's lucky nobody else saw him like that. Except me. Pas un truc là-dedans qui pourrait aider. Oh, great. He saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. On essaie de redire ça en fait. Maybe Samuel should fix that lamp. Max, stop wandering outside. I'm sitting my ass, Dennis Caulfield. Oh, great. He saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Voilà, c'est parti.
Je remarque qu'on va faire bientôt une petite coupure, car ça fera bientôt déjà presque 40 minutes là. Ou un peu plus. Booyah! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. Ça va, ça va. Obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. Ça va? We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody. Even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. Il y a quelqu'un qui a éteint la lumière dans une des salles. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well... how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from... Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... What? Voilà, ça sert d'un peu de son quand même. Kidding me. Ça sert à rien de demander comme ça, quoi. Just when I think Victoria can't get any more evil, shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out.
Je crois que quand on est à l'intérieur, je crois bien que je vais faire la coupure ici. Pour l'épisode. Pour le premier épisode du chapitre 3, en tout cas. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Donc voilà, donc je vous dis au prochain épisode du chapitre 3 de Life is Strange. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao. Ouais, 53 minutes quoi. Enfin, environ 5.